C'est marrant comme ça, le Stuart. Il a une bonne cadence de tir, le Stuart. Il s'est barré, il est parti. Ouais, il a dit qu'il allait se coucher. Oh. C'est toujours là. Ça va faire un bail que j'ai pas joué en tier 3. Oh, ça doit faire un an que j'ai pas dû jouer en tier 3. Oh. En gros, le Blitzen qui est bien en tier 3, c'est qu'il a un double canon à l'avant. Ah oui, ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord. Et cadence de tir, pas dégueulasse. Je te montrerai, je te ferai une petite cadence de tir juste avant, tu verras, il est pas dégueulasse en cadence de tir. On est sur quelle map? Ah, Minou. La casse. Oh. Oh, ça va, elle est pas trop dégueulasse celle-là. On partira sur la colline à droite. À gauche ou à droite? À droite. Ok. On ira vers la ville, on sera plus sécurisé. En bas, il y aura tous les snipers à la con. Quand t'arrives en haut, t'as une marge parce que t'as des baraques, tu peux te cacher derrière des baraques. Ah oui, ah oui, c'est ah vrai. Là, t'es juste à côté de moi. Bah, déjà, tu vois la différence de taille. Hein, je suis à ta gauche. Il y a des ennemis dans la zone. Et arrête-toi 2 secondes. Ah, regarde le canon qui est devant. Ouais, c'est vrai. Derrière, quand je vais tirer. Merde. Hop, on va partir par là. Normalement, tu vas un peu plus vite que moi. Oui, tu vas à 27 km/h. Ah, oublie-les, ils vont te sniper, ils vont te faire mal, surtout c'est du tier 5. Non, non, là-haut. L'ennemi nous observe. Ah, il a disparu l'autre con. C'est bon, c'est moi. Ouais, mais il est caché derrière une baraque, il sert pas à tirer. Il est caché derrière une baraque, donc Ah, on en a un là. Ah, il est caché aussi derrière. Là-haut, on va les laisser. Et il joue en cachette, l'enfoiré. Il garde l'enculé. Je suis 0. Ah. Ah, ouais, il... Ah, on a le petit léger qui se ramène. On va se placer. Fais gaffe, y'en a un qui nous snipe de derrière. J'ai pété. L'ennemi nous observe. Ah, juste derrière ton cul, tu vois. Ah, juste derrière ton cul. Juste derrière mon cul. On va faire un retour au combat, retour au garage. Parce que toi aussi t'es fait tuer? Ah ouais, je suis mort avant toi. C'est pour ça que je te disais, derrière, fais gaffe derrière ton cul. En plus, il tire au gold. Oui, portable. Bip, 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 bip. Jeudi, normalement, j'ai la paye qui tombe. Ouais. Ouais. Ça va faire du bien. Avec les gosses, on va aller au McDo, ça sera très bien. Tiens, on va partir sur ça. Hop. Attends, juste avant, je suis arrivé un truc, pack, non pas des packs. Provision. Ah c'est bon, j'ai tout ce qu'il faut. Celui-là, mes souvenirs, il reste ça. Mais dégage! Et c'était pas la console qui fait des caprices là. Juste son truc. Oui, parce que je t'explique, hein, sur le jeu j'ai quand même 2 ans d'expérience. Hein. Ah ouais. En même temps c'est pratique aussi. En gros, si j'ai besoin de mettre des sous de côté pour acheter un petit char, petit tiers, j'ai largement ce qu'il faut. Ouais. C'est 409 000 pièces d'argent. Ça va. Oui, mais quand tu sais le prix d'un tiers 9 ou un tiers 10... Ouais, c'est vrai que c'est vrai. Tiers 9, c'est 3 millions et des brouettes. Ouais. Ouais. Tiers 10, c'est 6 millions et des brouettes. Ah oui. Ah oui. C'est mal au cul quand tu dois payer ça. Ah, je suis d'accord avec toi. Et quand tu sais que les prix de réparation te coûtent beaucoup plus cher que les petits tiers. Oui. Bah, en tiers 9, déjà rien qu'en tiers 9, si tu fais de mauvaise partie, si tu fais vraiment une grosse mauvaise partie, tu perds 25 000. Hein. Ça fait mal. Ça fait mal. Parce que un obus déjà ça te coûte 1000, hein, 1500 je crois même. Je peux te dire que en tier 9 ou en tier 10, quand tu vas pour tirer sur un ennemi, t'es sûr que tu vas vraiment tirer sur l'ennemi, tu vois. Mmh. Quand tier 3, bon bah tu t'en fous un petit peu si tu tires à côté. Celle-là elle est pas mal, celle-là. On va pour commencer on va rester vers la base. Ouais. Et on va surveiller le petit couloir qui est à gauche là. Un couloir. On va... Voilà, en face de nous il y a un couloir à côté de la colline. On va laisser les autres avancer un petit peu. Il y a des ennemis dans la zone. Et après on va juger suivant comment ça part en couille où on va aller. En face t'as un couloir et il y a des ennemis qui vont arriver, et si on voit que ça part trop en couille au milieu, on va faire le tour, on va passer où il y a les en bas sur la map où il y a tout le petit groupe qui part. Ouais, je vois. Ah, attends, et ça, si a bougé, ça, ça, si ça a bougé, ça a bougé. Oh, ouais. Concentrez votre attention ici. Ah, les enculés, ils me tirent dessus. Ah, les artilleries, péché. Bon, fais pas comme moi. Hop, voilà. L'autre, je l'ai peut-être pas eu, mais j'ai fait des dégâts suicidaires. Concentrez-vous sur cette zone. Ouais. Donc là, avance pas trop parce que tu vas avoir de la compagnie devant. Pas de la compagnie devant. Tout le monde dehors. Ah, c'est technique, hein. Un mec a un sniper au loin, bah celui que tu vois là. C'est qui vient de faire. Ouais, ouais. Un sniper. Je comprends mieux pourquoi je t'avais dit de rester un peu en arrière. J'ai un véhicule comme ça, mais j'ai pas envie d'utiliser. T'as un tier 4? Ouais, j'ai un tier 4, mais j'ai pas envie d'utiliser. Bah, pourquoi? Je peux te protéger, moi. Une cible facile. En fait, je pense que c'est une cible facile. Parce que si t'as un tier 4, moi je peux te sortir un char et on va se retrouver contre le grand maximum du petit tiers. Attends. On s'en sortira mieux. Ouais. J'ai un T3, j'ai un... Non, moi j'ai un GPZ AP5. Modèle allemand. Ou soit un FTMC. Attends, non, on va faire un test sur le truc à la fin. Allez les gars, ouais. C'est une bonne nuit. Ça va. Bonne nuit à toi aussi. Ça marche, allez. Pas de problème. À demain peut-être. On m'envoie un message sur Messenger si tu te connectes demain. Ouais, pas de problème. Allez, bonne nuit tout le monde. Bonne nuit. Bonne nuit. Bon, je vais te sortir un char. Je l'ai juste acheté, il m'a pas coûté bien cher. Oh, si t'as plus gros, faut me le dire, hein. On s'en sortira mieux. Juste à ce char. C'est quoi ce bruit là? Oui, c'est rien, c'est juste acheter un char. Attends. Non mais ah, c'est pas d'accord, c'est un char. C'est un char à la con là. Hop. C'est la catégorie de chasseur de char que je vais faire. Alors, qui te met ça? Mets ton sort pour voir celui qui m'a parlé, voir ce qu'il tire. Attends. Ah, mais incompatible en fait. Ah. Oh, tu sais ce qu'on va faire? Ouais. On est en peloton, tu es d'accord? Ouais. On se lançait une petite histoire de guerre. Tu fais de l'expérience et tu vas, on va rigoler. Je sais pas si t'as déjà fait les histoires de guerre. Pas encore. J'ai fait que... En fait, les histoires de guerre, c'est, ça retrace des histoires de la guerre de base. Voilà, t'as ton char présélectionné. Ouais, c'est normal. Faut que je touche ce con. Sherman, c'est américain, c'est russe. Oh oui, mais ouais, c'est Sherman. Sherman. Juste pour rigoler, et si je mets ça? Attends, t'es d'accord avec le Sherman, toi? Ouais, bah oui, mais c'était chaud, vas-y. Ah ouais, non, mais juste pour rigoler. C'était chaud, vas-y. Juste pour rigoler. On va voir ce que ça va donner. Not every American tank built was destined for the US Army. Some were transported. Ça te raconte l'histoire de, ça fait des passages de l'histoire de la guerre en fait. Works of Detroit, straight to the. Parce que moi, vu que j'ai déjà fait, mais c'est bizarre ce bug-là. Normalement, on pouvait pas. Experienced combatants. Colonel P. Alors, on va voir si on tombe sur des petits chars ou si on tombe sur des gros chars. Si on tombe sur des petits chars, je vais faire des headshots. The second front had opened up in France. Both sides knew this was a critical turning. Sauf si on tombe sur des gros chars, tu vas galérer. Non, généralement, si tu fais des gros chars, faut que tu vises par le bas. Non, mais je vais dire des gros tirs. Ah ouais, mais généralement, soit tu vises les, soit tu vises les chenilles ou soit tu vises l'arrière. Oui, ça fait boum. Oh, t'as vu, ça fait boum. Clic, clic, boum, boum. Vous êtes prêts pour votre première leçon? L'entraînement commence maintenant. T'es prêt pour ta leçon? Wow. Oh, les bruitages. T'as vu ça? Ah, boum. Non, sérieux, dis-moi que ça c'est vraiment, si ça a vraiment bugué comme ça va être mort de rire. Mode défi. Ah, on s'en bat les couilles du défi. En gros, là, on va être sur la colline, les ennemis vont être en bas. Ça va être rigolo. Ah ouais, d'accord. Exercice de tir réel. En gros, tu vois, c'est un exercice, mais à balle de tir réel. C'est-à-dire que les gens sont vraiment dedans et vont mourir. Ah ouais, ça a marché. Oh putain. C'est quoi comme ça qu'on en passe? Oh putain. Ils sont seulement touchés. Sérieux? ça, ça a bugué. Ah, ah tu as galéré gros. Ah non, tu leur fais des dégâts. On n'a pas pénétré le blindage. Hop. Attention, ça revient. Alors ils vont être faciles à buter. On n'a pas pénétré le blindage. Je vais lui écouter mon rond. On cherche pas, c'est lié à du jeu. Là faut qu'on monte. Ah mais gros, faut que tu viennes vers moi hein. Ennemi détecté. Attends, on va... Ah merde, je suis dans un char... Nous avons perdu un véhicule allié. On a percé leur blindage. Ah, c'est quoi c'est? Oh ouais, les tirs, vous avez arrêté de ricocher. Ah tu peux te faire les artilleries là-bas, ouais. Hop. Nos véhicules est détruit. On a été repéré. Oh, il y en a, il a pris cher. Ouais, t'as réussi. Oh, la mienne, elle parle en japonais, donc ouais. Ouais, j'ai décidé que dans cet équipage-là, ils allaient parler japonais. Comme ça, je comprends rien du tout à ce qu'elle me raconte. Ah, 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 Rourou, t'as des problèmes? Non, ça va, je gère. Je gère pas. On les tient les gars. J'ai intercepté les autres ponts là. Ils nous ont repérés. Oh non, je les ai touchés. Non. On a arrangé le moteur. Il n'ira pas bien vite. Arrière. Ouais, moi je suis en train de prendre cher là. Tour. Oh, j'arrive, j'ai essayé de survivre. Ah, à droite sur mon pour essayer de buter l'ennemi qui reste. Non, il est derrière le rocher, les balles tirent pas à travers les rochers. Non, faut que tu fasses demi-tour, t'as la rampe derrière toi. Une rampe ici normalement. T'as l'air d'être en mal en point. Ah bah tiens, ils l'ont buté à ta place. Oui, pourquoi pas. T'as eu des petits soucis, Rouen? Chargez, allons-y. J'ai un doute, mais je crois que ça a merdé quelque part. Je sais pas, chef, mais je crois que ça a merdé. C'est ça, ouais. Il a fait comme la 11ème compagnie. Ça a glissé, chef. C'est ça, ouais. Normalement, tu t'es fait un peu de pognon. C'est ça, oui. Tu t'es fait 4000 et des brodes, normalement. Alors, t'en penses quoi? C'est rigolo? C'est pas mal. On va tester sur un autre bug si ça te marche. Ouais. Ça marche. Un bug bien plus rigolo. Ah ouais? Ah ouais, pour moi il va être rigolo le bug. Tu vois, ça c'est du petit sort que je t'ai sorti. Je vais te sortir plus gros. On va voir si ça marche. Ça marche, c'est ça. Vas-y, remets le char en question là, le en chien là. Okay. Le Sherman là, ouais. Ouais, bah remets le Sherman. C'est bon, mais faut que tu cliques dessus pour... Ah oui. C'est bon, t'as mis le char? Ouais. Oui, le Sherman, oui. Oh, si ça va marcher. Oh, si ça marche. Oh, ça va être beau. Attends, parce que là, je vais te sortir un char. Oui, on refait la même, je sais. Y'a pas moyen de passer ça là? Oui, là. Comment on pouvait? Ah, avant on laissait appuyer sur A, ça passait. C'est chier. Fais comme moi, appuie sur A, laisse appuyer sur A. Ça marche pas. On s'est fait arnaquer. France, both sides knew this was a critical turning point in the war. On m'a arnaqué à l'infiniment plein gré. Ça, si ça marche, c'est que le T-95. Ah bah comme ça, tu peux avoir mon T-95, tu vas voir c'est quoi l'engin. Là, c'est du petit canon qu'il a dessus. Tu vois l'autre canon qu'il avait, l'autre. Bah dis-toi que c'est tout rikiki. Ah, ouh, boum. Ça va être rigolo. On va se prendre la gueule. Ah, ce bug là, je savais pas que ça marchait. C'est nouveau ce bug là. Oh, regarde, World of Tanks, vous avez mal fait votre jeu, il y a des bugs là. Bon. Sérieux, si ça marche, on voit. Ah oui, quand même. Ah, moi je suis pas encore dans le jeu. Ah oui, quand même. Un petit char, hein. Ouais, je vois ça, ouais. Il a 4 chenilles hein, pour le déplacer. Allez, charge. Exercice à balle réelle, oui, t'inquiète. Là, l'exercice à balle réelle, il va être violent. Ah, voilà. Ah, tu vois, hein, ah, petit char. C'est du tout petit. The Germans had launched a preemptive strike on the Russian armor. Regarde, je vais tirer dessus. Regarde. putain. Ça foiré, parce que ça a bugué. Ils sont seulement touchés. Regarde. Ouais, je vois ça. Putain. Pénétration du blindage. Ah, ça bouge. Ça doit faire mal. Okay. Attends. J'essaie de me placer. Ils sont seulement touchés. Là, ils m'ont foutu à une zone de merde. Hop. On va l'avoir. Continue. Alors, t'en penses quoi? Ah, un peu. Hein. J'ai pas menti. Hein. Il a rebondi. Qu'est-ce qu'il fout? Ah mais ils sont paumés l'ordinateur des fois. Qu'est-ce qu'il fait? Donc l'autre là il est en train de me montrer son cul. Oh la vache. Oh oui, montre-moi ton cul. Oh là là. Boum. Attends. C'est cool là. En vrai lui il commence à me tuer lui, avec son petit char à la con. Il va. Ah, il a fait bon. Sauf, regarde. Regarde la vitesse de déplacement. Et tu... Attends 2 secondes, mets-toi derrière moi. L'ennemi sait où on est. Je vais me mettre de... Tu vas voir la taille des flics. Regarde les flics derrière. La taille. Ah ouais, je vois, ah oui. Ah bah tiens, regarde les artilleries. Regarde l'artillerie en face. Celui-là n'a pas percé. On n'a pas pénétré le blindage. Attends, l'autre elle va faire pareil. C'est rentré comme dans du beurre. On attend, on attend. Ah, tu vois toi, tu t'arrives pas à les percer. Hein. On n'a pas pénétré le blindage. Bah regarde-moi. On les tient les gars. Ah, ouais. Ah putain, ça a ricoché. C'est bon là, j'arrive. J'ai trouvé le point faible. Je te la laisse. Je vais m'occuper des autres là-bas. Ils sont en train d'emmerder leur monde. Pénétration du blindage. Ennemi détruit. Bien joué. Bonjour. Je viens vous faire un cadeau. Hop. Ah putain. C'en est assez, on décroche d'ici. T'es mort? Ah ouais. T'as vu ce jeu là? Ah. T'inquiète pas. Ah bah qui... Oh, oh, les blancs. Bonjour. On va y jouer? On va y jouer? Ouais. Tire. Attends, il y a un temps de rechargement dessus. Hein. C'est un bon bout de temps de rechargement, hein. C'est pas du petit canon qu'il y a dedans. Hein. Ouais, ta gueule. Alors, on va se calmer, s'il vous plaît. Bonjour monsieur, oui, boum, boum. Attendez, bougez pas monsieur. C'est bloqué derrière. Ta gueule? Ah non mais dis donc. Respecte-moi, arrive un moment. Oui, ça ricoche, on aime bien. T'as vu, ça fait boing, boing, boing. Ah, il y a l'autre qui va te buter, t'inquiète pas, je m'intéresse pas à toi, je m'intéresse à ton collègue derrière. Attends. Hein? Oh, t'as plus beaucoup de vie, mon grand. On va tirer une... Oui, attends, j'arrive. On va discuter. Viens là, on va discuter, mon grand. J'ai dit on discute. On dit on... J'ai un chien blindé. Alors c'est du bon char. Ouais, c'est du bon char, ouais. T'as bien aimé le bouge pas on discute. C'est ça, ouais. Et tu comprends mieux pourquoi je te dis que... Et, sauf, tu vois, là, vu le prix de mes obus et vu que ça rapporte pas gros comme mission là-dessus, je suis en perte de 11 000, tu vois. Donc, au moins tu l'as vu, t'as vu ce que c'est, un char de... Ouais, j'ai vu ça, ouais. C'est un petit char de barbare. Je dis ça après... Après, il y a des chars... Ils sont violents, hein. Ils sont un... Déjà, lui, il est un tout petit peu violent. Et arrête de jouer avec... Ah, il est avec sa peluche, il est tout content, il est en train de la traîner partout. Ah oui, il est content, et voilà. Et puis il lui donne des coups de patte. Ah mais du con, elle t'a rien fait la peluche, c'est pas comme si elle allait t'agresser. Hein. Oh, il y a un chat que j'avais vu. Ah oui, celui-là aussi que je t'ai pas montré. T'as mis un char? T'as remis ton char? Je vais te montrer celui-là. Alors ça, c'est un char artilleur. Qui tire en hauteur. Et tu vas apparaître à côté de toi. C'est le char, c'est l'un des chars qui a le plus gros canon du jeu. Il va me faire un, hein. Et quand tu vas voir, tu vois le char du, le canon du T-95. Oui. Disons que c'est un... Comparé à celui-là, le char du T-95 est son arrière-petit frère. C'est un tout petit canon. Bon, on risque de perdre parce que bon, bah, on risque de tomber sur du gros tiers et je risque de pas beaucoup survivre, mais en face à face, parce que c'est un char qui tire surtout à la base à la distance. Et tu vas pouvoir voir que c'est un char artilleur. Ça artille, ça... Donc c'est pas là, c'est pas fait pour rigoler en fait. C'est un canon, je peux tirer à l'autre bout de... Oh, je peux tirer d'un bout à l'autre bout de la map. Avec. Il tire en l'air et ça se retombe sur la gueule. Ça fait légèrement mal. Il va voir le canon. En gros là on est passé d'un canon petit, d'un canon moyen à un gros un canon d'homme. On est parti de... d'une Twingo à une Porsche à une Bugatti on est parti Bugatti à une Bugatti, tu vois. Et... on a fait Twingo, Ferrari, Bugatti, tu vois. Ouais, c'est ça, ouais. Petit calibre. Et du calibre, quand tu te le prends dans la gueule, il... Ouïouïouï, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais. Bon, le jeu, s'il te plaît. Merci. Ah, c'est du gentil calibre, hein. C'est... Donc moi, je vais reculer un petit peu. The Germans had launched a preemptive strike on the Russian armor. Par principe. Celui-là n'a pas percé. Pour réussir à tirer en hauteur. Ils sont seulement touchés. Ah 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 ah, bouge-tu. Hein? T'as compris? Et... Donc toi tu vas pouvoir te déplacer, moi je vais rester ici. Ah, ah bah oui, il y en a encore. Pénétration du blindage. Fiche bête. Et tu vois là où je suis, ouais. Bah je peux viser ceux qui sont loin. Pas trop là. Parce que là je suis un peu gêné. Et à tirer. Donc c'est pas très solide. On l'a même pas éraflé. Et lui, comme lui là. On va prendre Paris. On l'a pas loupé. On l'a pas pénétré. On va viser l'autre. Voilà, on a deux déjà qui sont morts. Je viens t'aider vite fait. Il a rebondi. On l'a même pas éraflé. C'est pas intéressant. Ah, lui là-bas, intéressant. Ils ont détruit un de nos chars. Allez, on lui dit au revoir au lourd. Attends, on va caraméliser. Ah, tiens. Hop. Ouais, faudrait que tu restes un peu en avant. Je puisse me défendre derrière. Ils nous ont repérés. Celui, le léger là, il va me faire mal quand il va me taper. Ils sont seulement touchés. Voilà. Là. Tire dessus, s'il te plaît. Ah, je vais mourir. Je pense que je me planque. Destruction impressionnante. Ah, le lourd, s'il bouge pas trop. J'essaie de me protéger un peu. Il nous a dans son viseur. Qui se ramène. Essaye de survivre, hein. Recule au pire des cas si tu vois que tu prends des dégâts. L'opérateur radio est touché. La radio est pratiquement inutilisable. Je vais mourir. Ah. Peters and his Russian Sherman group. On s'y attendait, hein, je te l'avais dit, hein. They had fallen as brothers in armor. Et parce qu'en fait, ce char-là n'est pas fait pour ce type d'action. En fait, il est fait pour rester surtout à distance, pour tirer pendant que les autres avancent. Mais tu vois, quand ils tirent des canons, c'est du... Quand ça doit faire boum, ça fait boum, tu vois. Bah, tu vas voir le nombre de dégâts que j'ai fait. Et j'ai fait 6 tirs, 8 tirs. Tu comprends mieux pourquoi quand je te dis tiens il y a les artilleurs qui nous tirent dessus, faut qu'on aille se planquer. Ouais, ouais, je comprends mieux. Là t'as vu pourquoi, parce que les artilleurs sont pas solides, sont pas résistants pour un sou, mais ils ont une puissance de canon phénoménale. Et vu qu'ils peuvent tirer à distance, bah toi tu sais pas où il est mais lui il sait où tu es. Et il suffit que tu te fasses repérer juste par un petit char à la con, hein, un petit éclaireur, un petit char léger, hein. Bah l'artilleur il peut se positionner sur toi et si t'as pas bougé bah il tire le but où il t'a vu la dernière fois. Et tu te le prends sur le coin de la gueule. Donc imagine, dans le T-95, pourquoi le T-95 est un char qui n'est pas énormément joué, c'est que c'est un char qui est énormément lent. Le problème, bon certes, comme tu as pu voir tout à l'heure, quand je me retrouve avec 3 gugus devant ma gueule, ils ont beau me tirer dessus, bah, c'est comme si je m'en foutais complètement qu'ils me tirent dessus, tu vois. Mais ils peuvent te faire... mais si t'es un artilleur et que toi tu bouges pas et que tu t'es fait repérer, et si te prends le but sur la gueule, là tu le sens passer. Et la point de vie d'un T-95, je vais te dire le point de structure, de santé, point de structure, ça doit te marquer quelque part. Ah ouais... Je crois que c'est du 1800 ou 1700 points de structure. Ouais. Et l'artilleur que j'ai, il peut faire des dégâts jusqu'à 1600. Tu vois, si tu te le prends sur la gueule, tu le sens passer. Ouais, je vois ça. Et comme tu as pu voir, le T-95 derrière, lui, il est très mobile, il est très résistant. Et... quand il tire mal quand même, il fait grand maximum 817 de dégâts, aux alentours des 817 de dégâts, mais voilà. Et l'autre, ah bah l'autre je peux te le dire combien tu fais de... Alors, plus... Il peut aller jusqu'à dégâts d'obus standard, 1500 de dégâts. Il a une vitesse de 50 km/h en déplacement, donc il va très vite. Mais le blindage est complètement inexistant dessus. Ah oui, t'as la zone où il y a les chenilles et l'arrière c'est du entre 1 et 21 mm de blindage.